Ma communication aujourd'hui sera très peu formelle et très peu théorique. En fait, c'est un extrait d'un livre de mémoire que je suis en train d'écrire et qui doit apparaître au mois de septembre 2012, qui s'appelle La vie sans phare. Je pense que maintenant, j'arrive à un stade de la carrière de ma vie où je veux regarder ce que j'ai fait auparavant et essayer de l'analyser, de le comprendre. Et en regardant un peu tout ce que j'avais écrit, j'ai été frappée de voir à quel point Fanon avait joué une influence, avait exercé une influence considérable sur moi. En fait, je crois que l'écrivain qui m'a le plus influencé, formé, transformé aussi, est François Fanon. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, cette influence n'est pas née d'un coup. J'ai commencé par haïr François Fanon, et donc je vais essayer de vous expliquer trois stages, comment je suis devenue ce que je suis, je crois, une profonde fanonienne. Le premier stade se passe en 1952. En 1952, j'étais très jeune, je n'avais pas 20 ans, et j'habitais Paris. J'ai été étudiante dans un foyer très spécial qu'on appelle le foyer Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, pour ceux qui connaissent un peu la vie française, savent que c'est lui qui a introduit en France les Jeux Olympiques. C'est lui qui a introduit le concept du jeu qui doit faire de l'homme un être plus profond et plus parfait. Donc, Sapin était engagé dans une politique de bonnes secours à lui, des bonnes œuvres. Et il y avait ce foyer où il recevait en particulier des filles des départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, et des filles qui, évidemment, étaient de la petite bourgeoisie en général. En général, mulâtresse, très peu de noirs, parce que les noirs, à l'époque, aux Antilles, étaient quand même des gens défavorisés, déshérités. Et en fait, quand je regarde cette génération, nous étions un étrange mélange de totale naïveté, ignorance, on peut dire un peu infantilisme, et en même temps extrêmement militant et conscient d'appartenir à une autre société. Nous étions tous des élèves de la Sorbonne, des grandes écoles, et nous avions conscience que l'éducation que nous recevions dans ce lieu était imparfaite. Elle s'arrêtait, si vous voulez, à Balzac, Stendhal, Rimbaud, Nerval, et on ne parlait pas du tout de notre culture à nous, des lieux et des auteurs qui peut-être avait porté quelque chose de spécial dans notre culture. Donc, nous avons formé un club, le club Luis Carlos Prestes. Ne me demandez pas qui était Luis Carlos Prestes, je l'ai totalement oublié. Je sais seulement que c'était un révolutionnaire sud-américain très intéressé par la culture. Donc, on se réunissait tous les mois et on étudiait un auteur antillais, ce qui était quand même un exploit. Nous avons découvert François Fanon d'abord, Aimé Césaire d'abord, que nous avons adoré, évidemment, le cahier de retrouver Natal nous parlait à nous. Chacun le recevait comme une parole dite personnellement à son oreille.
Nous avons aussi aimé, Édouard Glissant, et nous avons beaucoup aimé les Haïtiens, Jacques Sébène Haïti, l'auteur de Robert à Soleil, Idriss Sankara, auteur de Gondurie, et évidemment Verne la Rosée de Jacques Roumain. Donc, nous étions, si vous voulez, à la recherche de la culture qu'on peut appeler caribéenne, francophone. Et voilà qu'un jour, en lisant la revue Esprit, nous apprenons que l'écrivain Martin Gay, du nom de Franck Fanon, dont nous ne connaissons pas du tout, avait écrit un livre qu'on appelait Peau noire masculin. Le livre, évidemment, était présenté avec des éloges d'Isiramak. Alors, pour bien comprendre, la revue Esprit était aussi importante que la revue Les Temps modernes, à peu près. La différence entre les deux, c'est que Esprit est un peu catholique, bien personnel, alors que Les Temps modernes étaient vraiment la nouvelle pensée un peu éclatante et qui ne croyait à rien. Le directeur de la revue Esprit s'appelait Jean-Marie Domelin, très connu, aussi connu que Sartre, Aron, Camus, mais évidemment un catholique aussi. Donc, étant donné que de tels patrons présentaient pour l'enfance blanc comme un chef-d'œuvre, on s'est dépêché de se précipiter et de l'acheter. Mais quand nous l'avons lu, nous avons une réunion, la première lecture, et bien du côté un peu vrai, par exemple le chapitre d'expérience vécue du noir. Oui, on vivait en France à une époque de racisme extraordinaire, et nous avions tous et toutes appris à ne pas nous mettre dans le de l'autobus à côté de l'enfant, parce que fatalement viendrait la fameuse réplique « Maman, un nègre, j'ai peur ». On savait ça. Mais à part ça, le livre de Fanon nous a paru un livre qui ne comprenait pas du tout des Antilles et qui dénigrait, disait du mal de l'Antilles antillaise. Nous avons été principalement blessé, vexé par le chapitre La femme de couleur et le blanc, dans lequel Franck Fanon parle de l'actification de Mayotte Kabiska, dont Myriam et Madeleine nous ont parlé tout à l'heure. Il nous a paru que c'était terriblement injuste. Nous étions de jeunes Antillaises. Tout sur le point d'épouser, accompagner, suivre des Africains en Afrique. C'était l'époque du mariage antillais-africain. L'idée d'avoir un partenaire blanc souffrir d'un problème de justification nous a paru totalement erroné et faux. Alors, comme nous avions quand même un peu d'outils de réflexion, nous avons pensé que peut-être la masse du plantier, le peuple, avait peut-être une certaine aliénation vis-à-vis de blanc, mais que la bourgeoisie, nous avions complètement dépassé ce stade. Et nous avions au contraire, nous prenions au contraire un retour aux valeurs de la négritude à l'Afrique. Alors, comme j'étais considérée comme intelligente, douée, écrivant bien, mes camarades m'ont demandé d'écrire une lettre à Jean-Marie Doumna pour lui dire exactement ce que nous pensions de celui de Fanon. Comment nous étions choqués et outragés.
ce que j'ai fait. Et alors, à ma surprise, je n'avais pas 20 ans, je reçois une lettre de Jean-Marie Doumenac me répondant et m'invitant à venir parler avec lui à la revue Esprit, qui était alors à la rue Jacob. Donc, je suis allée voir Jean-Marie Doumenac et je crois que là, il m'a donné ce qu'on peut appeler une grande leçon d'humilité. Voilà un homme qui avait au moins 60 ans, par un gamin, débarqué de la Guadeloupe en nous donnant plutôt, qui ne savait rien, de rien, ignorant, mais qui ne m'a absolument pas fait sentir que j'étais une enfant qui ne savait rien. Il a discuté avec moi, il a parlé avec moi, il a pensé que peut-être nous avions bien compris qu'à un point, l'aliénation de Fanon, le complexe de l'actification, peut-être existait dans les couches inférieures, mais que Fanon aurait peut-être dû impliquer dans son livre que Bagnotte était peut-être un cas à part, mais qu'une génération entière allait prouver qu'elle était prête à faire le grand saut, le grand sacrifice et aller vivre en Afrique. Donc finalement, Doumenac m'a traité comme une égale et je crois qu'il m'a appris par la suite, au cours de ma carrière d'écrivain, de prof, à ne jamais traiter les jeunes comme des imbéciles, comme des gens qui ne comprennent rien, comme des gens qui ne savent rien. Quand ils sont jeunes, alors bien sûr, il leur reste encore à lire, à réfléchir, à penser, mais déjà il y a en eux des germes de réflexion, d'intelligence qu'il faut respecter et valoriser. Alors on s'est séparés, il m'a demandé de continuer à suivre Fanon, ce que j'ai pas fait. Pas le temps et la vie autour de moi, donc je n'ai rien fait. Donc ce fut ma première rencontre avec Fanon entièrement négative. Pour moi, Fanon n'avait rien compris aux Antilles et n'avait rien dit de positif sur la psychologie antillaise. Deuxième rencontre, en 1961. En 1961, je vivais à Conakry, en Guinée. J'avais épousé un acteur guinéen, Mamadou Kone, et vous voyez donc le complexe de l'actification, je n'en souffrais pas. Moi et mes camarades, on était tous sur le point d'épouser des Africains. Donc j'arrive en Guinée, porté, il faut le dire, par des idées de la négritude. Pour moi, le mot noir est une grande famille, un président noir ne peut que vouloir le bien de son peuple, ne peut que chercher à améliorer sa vie et lui donner le bonheur. Or, arrivé à Conakry, très peu de temps après mon arrivée, je vois qu'il n'en est rien. D'abord, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a le PDG, Parti démocratique du Guinée, qui parle au nom de tout le monde. Il y a un journal, un seul, qui est répandu partout dans les écoles. Les professeurs ne peuvent pas enseigner certaines choses, doit toujours se référer à une liste précise de livres et de textes, donc pas de liberté. Et donc je vois, d'un côté, il y a des gens qui manquent de tout, des choses les plus banales, le riz, l'huile, la tomate, le sucre,
J'aurais pu vous raconter des histoires épouvantables qui manquaient. Et de l'autre côté, des gens qui ont tout. Quand ils toussent, quand ils ont mal à la tête, ils prennent l'avion et vont à Moscou se sauter en soignant. Donc, toutes ces réflexions, je les ai réunies dans un livre. Mon premier livre, Erra maintenant, qui veut dire en attendant le bonheur, Erra le bonheur, maintenant attend, qui était justement le nom de grands magasins d'État, puisque le commerce privé avait été supprimé. On pouvait s'approvisionner que dans des magasins d'État qui étaient toujours complètement vides. Alors, il y avait une chose curieuse. On demandait aux vendeurs, est-ce qu'il y a du riz aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du riz? Non, 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 disait-elle, demain. Est-ce qu'il y a de l'huile? Non, 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 demain. Tout était demain. Donc, j'ai essayé de dire que vraiment, la révolution, le bien-être des peuples, le bonheur, était peut-être pour demain ou peut-être pour jamais. Bon. Alors, en 1961, qu'est-ce qui arrive? François Fanon meurt. C'est Couturier décrète 4 jours de deuil national. Pendant toute la semaine, les gens du PDG, Parti démocratique miné, viennent à la télévision, à la radio et parlent de Fanon. Évidemment, sa mort rendu Fanon encore plus antipathique. Mais mes amis, mes propres amis, pleuraient et se lamentaient de la mort de Fanon. Et qui étaient mes amis? D'abord, Mario D'Andrade, qui était un des leaders du MPLA, un compagnon de Vicino Neto, qui a conduit l'Angola à l'indépendance, Abinca Cabral, leader du BIGC, indépendance ici du Cap-Vert, qui lui a été assassiné, hélas, par la police secrète des Portugais en 1973, je crois. Donc finalement, si mes amis, des gens que j'admirais, des gens qui j'avais confiance, pleuraient Fanon, il y avait de quoi pleurer. Donc j'ai décidé de me replonger dans Fanon, dont je ne connaissais, il faut le dire, qu'un livre pour moi reste blanc. Donc j'ai me suis plongé dans des années de la terre. D'abord, la beauté du livre m'a transporté. La fin, le dernier chapitre, qui exhorte les colonisés à recommencer une histoire de l'homme. C'était extraordinaire. Je pleurais, je crois, en disant des phrases pareilles. Ensuite, j'ai eu l'impression que François Fanon avait vu, connu, deviné la société, enfin, les dirigeants guinéens, quand ils écrivaient le chapitre « Mes aventures de la conscience nationale ». Il me semble qu'il avait bien vu des gens qui étaient nationalistes, qui avaient la haine du colonialisme, mais qui n'avaient pas su conduire leurs idées au bout jusqu'à l'indépendance. Cette différence entre colonialisme et indépendance, ce saut entre colonialisme et indépendance, ils n'avaient pas su le faire. Ils étaient simplement devenus un peu des mimic-men, comme dira Omim Baba, qui avaient pris la place des colons, qui avaient mis leurs pieds dans des chaussures que les colons avaient laissées. Alors, j'ai adhéré entièrement à ce chapitre. Ensuite, il y avait un chapitre éblouissant
sur la culture nationale. Merveilleux. J'étais, je vous le rappelle, une disciple de Aimé Césaire, qui avait toujours présenté la culture comme une sorte de monomythe qui ne change pas, qui ne se transforme pas. Fanon, au contraire, m'apprenait que la culture se transforme, elle bouge tout le temps, elle se refait, et qu'il n'y a pas une culture la même depuis des générations jusqu'à nous. Donc finalement, ce livre était, je me suis rendu compte que c'était une sorte de bible, c'est devenu une bible pour moi. Pourtant, il y avait une chose terrible dans ce livre. Il y avait un éloge appuyé et long de Kita Kodeba. Qui était Kita Kodeba? Le ministre de l'Intérieur de Couture. Un des ministres les plus sanguinaires, un des ministres les plus abjects, qu'on accusait à tort, à raison, je crois, d'avoir inventé le camp Boiro, c'est-à-dire d'avoir soufflé à ses couturiers qu'il fallait avoir un camp pour exterminer tous les gens qui ne penseraient pas de la même façon que lui. Par exemple, le mari de ma sœur est mort au camp Boiro, considéré comme un comploteur, ce qui était absolument faux. Simplement, il a eu l'audace de dire à un moment de sa vie qu'il n'était pas absolument d'accord avec Christine Couteau. Donc finalement, comment Fanon pouvait, dans le même livre, si merveilleux, si novateur, faire l'éloge de Kita Kodeba? C'est une contradiction. J'avoue que je n'ai pas pu la résoudre, mes amis n'ont pas pu non plus, je crois que non, ils n'ont pas pu. Donc finalement, j'ai quitté la Guinée avec une sorte de point d'interrogation en plus, qui est Fanon, véritablement. Alors, maintenant, nous arrivons au troisième acte de ma avec Fanon. C'est ce qui fut en 1964. En 1964, j'avais quitté la Guinée où je ne pouvais plus vivre. Il y avait le complot des enseignants où la moitié des enseignants guinéens avaient été arrêtés, jetés en prison, au camp exterminé, les élèves même. Avaient été arrêtés, emprisonnés, torturés. Et certains d'entre eux, on pense qu'une demi-douzaine avait été exécutée. Donc j'étais partie, j'avais rejoint le Ghana. Mais alors, au Ghana, venant de Guinée, étant recommandé par des gens qui paraissaient révolutionnaires, j'avais été nommée, affectée, à l'institut, au Kamekuma Ideological Institute. C'était quoi? C'était un institut qui se trouvait à Winneba. Quel était son rôle? C'était le rêve de Kamekuma, un lieu où des Africains révolutionnaires enseigneraient les principes du socialisme africain. Que l'Afrique, en fait, selon eux, avait bien avant le reste du monde inventé les valeurs du socialisme à sa manière. Et vraiment, l'Afrique était une sorte de pionnier dans la recherche et dans la réflexion philosophique. Donc finalement, je n'avais aucune qualité à être là. J'étais sans importance, une jeune femme sans intérêt, mais enfin, j'étais là. J'étais en principe chargée d'enseigner le français.
évidemment, Abou Niba, personne ne s'intéresse aux Français. Mes places étaient toujours vides. Je passais le temps à faire froid, je ne sais pas, à rêver peut-être. Mais enfin, pas d'étudiants. L'intérêt de Bouniba, c'est que chaque mois, nous avions des gens extrêmement importants. Une fois, on a une visite de Malcolm X, qui était juste sorti de prison et qui est en train de mettre au point sa théorie d'influence et de l'importance de l'islam pour des peuples colonisés. Alors, évidemment, à l'époque, il faut le dire, le Ghana appartenait aux Africains américains. Ils étaient venus avec du boss. Il y avait un grand rêve que ce pays allait devenir la terre, le paradis, le havre de grâce de tous les Africains, de tous les Noirs qui étaient pourchassés une idée à travers le monde. Donc, Malcolm X était entouré d'une foule d'Africains-Américains et pour la première fois de la vie, j'ai vu Maniel Angelou, que j'ai revu après ici aux États-Unis, et qui, à l'époque, n'avait pas encore écrit. Elle se prépara à devenir un écrivain. Alors, une fois, c'était Malcolm X. Une autre fois, c'était Che Guevara, qui nous a exposé la théorie des Focos, que nous ne comprenions pas, nous a bien fait comprendre comment il était important que la révolution, le marxisme, trouve racine dans certains pays, parce qu'il y aurait une sorte de contagion des idées qui amènerait la révolution planétaire. Nous avons vu aussi la fille de Wright, Julia Hervé, qui était la fille de Richard Wright, qui a longuement parlé de son père et du livre Black Parole, dans lequel il y avait toute l'ambiguïté des rapports entre les diasporas et l'Afrique. On sait bien que pour quelques motifs de la diaspora, comprendre l'Afrique, aimer l'Afrique, comprendre entièrement les rêves, les désirs, la façon de vivre de l'Africain, c'est pas facile. Les gens qui n'ont jamais été dans l'Afrique vous disent que c'est facile. Les ceux qui ont été savent que vraiment, c'est la chose la plus difficile à faire. Donc, Hervé, Julia, a bien expliqué comment son père, marxiste, qui croyait pourtant en la solidarité des peuples, avait eu du mal, beaucoup de mal, à comprendre les valeurs africaines. Et surtout, ce qui est important pour moi, j'en reviens à moi, il y a un orateur qui s'appelait Samuel Brice Ikoku. Le nom peut-être ne vous dit rien. Samuel Brice Ikoku. C'est un Nigérian qui est mort lamentablement prisonnier dans une geôle nigérienne après le coup d'État qui a renversé Kwame Nkrumah. Donc, c'est un homme extrêmement brillant et surtout extrêmement aimable, agréable. Pas du tout un intellectuel avec des idées déplaisantes ou difficiles d'accès. Un intellectuel agréable, si ça existe. Non, non. Alors, donc, il a écrit un livre que je vous recommande, qui a été traduit par le chercheur Yves Benoît,
Le Ganard de Rouen, un livre qui est publié aux éditions Maschero et qui vraiment, il peut, à mon avis, un chef-d'œuvre, qui met bien en balance les faiblesses de Kwame Nkrumah, le culte de la personnalité, une chanson qui disait au sacrifice Never Dies, et aussi quand même le côté positif, l'amour, la foi, le rêve d'une Afrique qui se réunit. Alors évidemment, monsieur Ikoku, que j'admire jusqu'à maintenant, a fait sa conscience sur quoi, comme s'il savait que j'avais besoin de ça, sur transparent. Donc, j'ai écouté un homme brillant parler de Fanon. D'abord, il a un peu, très légèrement, mais quand même fait le reproche à Fanon de ne pas avoir connu la Guinée, de ne pas avoir suivi de près qui était devenu, qui est à côté. Il avait connu un jeune chercheur. Il avait aimé, apprécié du temps du ballet, du temps de la poésie. Il n'avait pas suffisamment réfléchi sur l'évolution que Faudéba allait avoir une fois qu'il aurait été aux prises avec le pouvoir. Bon, d'abord, ça m'a soulagé qu'il y ait deux Faudéba. Le Faudéba des premières années, le militant, et après, mes aventures de la conscience nationale, le Faudéba qui était devenu aussi un tyran. Alors, Aube africaine, rappelez-vous le long poème de Faudéba, en fait, il faut dire une fois, mais que c'est un poème de combat, un poème qui fait référence à des choses uniquement africaines. Il n'y a pas d'Europe, il y a uniquement la culture, la vie africaine réhabilitée. Donc, d'une certaine manière, Fanon avait le droit, avait raison de parler de Faudéba. Le malheur, c'est qu'il n'avait pas mis une sorte de petit quotidien pour dire qu'après, à la suite des choses, Faudéba était devenu autre chose que ce qu'il était au début. Bon, deuxièmement, il nous a dit que peut-être, il nous a bien montré que peut-être la littérature échappe aux approches idéologiques. Transparent a commis l'erreur de toujours mêler politique et littérature. Ainsi, il a vanté Mamie, Abdelhassadji, sans parler de Faudéba. C'est-à-dire que pour lui, il fallait une sorte de corrélation entre l'écrit et l'action, la parole politique. Nous savons qu'il n'y en a rien. Un écrivain comme Louis Ferdinand Céline est brillant, grand, aimé de tous, et pourtant c'était un anti-sémite convaincu. Il faut savoir faire la différence entre l'œuvre littéraire et l'œuvre politique. Donc finalement, Ikoku m'a appris qu'il fallait voir en Fanon un grand politologue, le plus profond peut-être que nous n'ayons jamais eu, mais peut-être un médiocre juge des littératures. Si le jugement en littérature était simpliste, et peut-être pas du tout profond. Bon, alors après ça,
J'ai demandé à monsieur Ikoku s'il pouvait m'apprendre, m'aider à comprendre Fanon, ce qu'il a accepté avec enthousiasme, comme on était gentil. Et pendant les quelques mois où je suis restée à Moniba, je me suis plongée dans Fanon. J'ai lu tout ce écrit dans El Moudjahid. Je crois que j'ai compris très bien sa pensée, ce qu'il fallait peut-être rejeter, ne pas aimer, les jugements à n'importe qui sur Mayotte, Capenicia, qui certainement ont un peu de machisme, certainement, mais qui, quel homme entier n'est pas machiste. Ça reste à prouver. Donc, évidemment, à la fin de ce séjour à Moniba, où j'ai été renvoyée, affectée avec fracas pour des raisons trop longues expliquées, je crois qu'à la fin de ce séjour, j'ai été devenue ce que je suis restée, une fanonienne convaincue. Thank you.